On est sur la DX Racer. Du coup, on n'a pas beaucoup de place sur la quoi? En fait, il y a les DX Racer. Et là, c'est la S, donc c'est la DX Racer. Ah, ouais. C'est une vanne pas ouf que je recycle. En plus, c'est même pas de moi. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Actuan. Bonjour à tous. C'est hyper solennel parce qu'en vrai, on se connaît depuis tard l'époque. Et à chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, du coup, déjà te présenter en tant qu'Actuan, c'est marrant. Et genre, on est tout solennel et tout en mode bonjour à tous. Tous aidés et tout, alors que vraiment, hors caméra, c'est. Aujourd'hui, en fait, attends, c'est très simple. T'as l'habitude sur ta chaîne Twitch de réagir à une émission qui s'appelle Total Wipeout. Ouais. Que certains connaissent parmi vous. Et c'est passé sur Gulli, non? C'est pas sur ça? Sur Gulli et M6 aussi. Bah, attends, c'était super. Moi, j'ai connu sur M6. Ah, sur M6. L'édition ouais. Française et Gulli, c'était l'édition américaine. Pour tous ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, on va réexpliquer. Mais en clair, tu réagis à ça sur Twitch. Je trouve ça trop drôle. J'ai regardé toutes tes VOD parce que tu les fais aussi en best-of sur ta chaîne Actuan sur YouTube. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, il faut trop mettre en lumière ce concept parce qu'il est trop bien. Genre vraiment, quand tu réagis à ces vidéos, je te trouve trop drôle. Et en plus de ça, je me suis dit, bah viens, on fait un épisode du coup sur la chaîne de Thomas qui sort quasiment en même temps que cet épisode, je pense. Ouais, moi je suis en même temps. Ouais, quasiment. Du coup, si vous voulez suivre tout ça en direct, je vous invite à aller suivre la chaîne Twitch d'Actuan qui sera en première ligne de description. Je vous mets aussi sa chaîne YouTube. Je vous mets aussi son PayPal si vous voulez faire des dons. Je vous mets aussi le mien. N'hésitez pas à faire un max de dons. Ça ferait trop plaisir. En vrai. Orvan, on vous explique ce qu'est Total Wipeout avec. Oh, viens, on fait la voix au FA2. Total Wipeout, c'est une émission dans laquelle plusieurs candidats vont s'affronter. Le but est simple, être le dernier survivant. Un truc comme ça? Ouais. Ils vont s'affronter dans un tas d'épreuves plus risquées les unes que les autres. Regardez par exemple comment ça peut être violent. Ce jeu peut être assimilé à un battle royale. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Royaume gel, hein. J'ai pas l'habitude de faire cette voix. Je pense qu'on l'a assez bien résumé. Je vous propose de réagir tous ensemble à cet épisode. C'est parti. Ok. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en plus, il n'y a même pas de suite logique au truc, tu vois, genre. Donc, ouais, juste, bah, je pense que vous l'avez vu, mais c'est la version anglaise. Impossible de trouver la version française. Ouais, c'est chiant. Ce sera en anglais. Bon, après, vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de paroles. Et croyez-moi, les paroles, on s'en branle un peu. Vraiment, vraiment vous allez vite comprendre le concept, genre. C'est quoi la coupe de cheveux du ref, par contre? Oh, my nephews! T'as déjà vu la map ou pas? Non, okay. Ça, c'est une nouvelle map, j'ai l'impression. Ça me plaît. Enfin, ça me plaît, moi. C'est un truc enfantin. C'est humiliant. C'est hyper humiliant le fait que ça soit des trucs enfantins. Ça, j'ai déjà vu dans un épisode, c'est une machine de torture. Ah ouais? En plus, il y a quelqu'un, je pense, qui est derrière qui appuie sur des boutons pour activer les pièges. Oh. Lui, c'est le mec le plus fourbe des États-Unis, vraiment. Imagine un Total Wipeout au loot. En mode, il y en a un seul qui passe et nous, on est tous les quatre dans des machines et on active les boutons. En mode de Death Run un peu. Ouais. C'est un jeu fait pour nous. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop drôle. Ok. Ok, c'est parti. Chaud, hein. Chaud. Tu penses qu'il danse aussi? Waouh. Mec, il met grave de bonne humeur. J'aime trop les gens qui dansent oui, comme oui, ça là. Oui, oui, oui. Ok, déjà lui j'aime bien. Ouais, je l'aime bien aussi. Ok, let's go, let's go, let's go. Ok, ok. Il m'a l'air un peu lent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de piège, il y a un piège qui va sortir. Oui, c'est sûr. Wesh. Wesh, il tourne de nouveau Avengers. La caméra l'a tout remplie et tout. Je suis choqué. Par contre, pose juste le frérot, il a tout esquivé, hein, je crois. Ok, là c'est ok, là. Wow. Il a tout esquivé. Ah c'est wow, trop mec. Wow. Il a tout esquivé. Il a tout esquivé par contre le ref. Wow, l'humour il est vraiment roi. Ouais, putain ça lourd. Ouais, c'est lourd, c'est de la lourdeur. Ah ouais c'est lourd de ouf. Oh ça sent pas bon. Wow. Ouais. Quoi? Oh mec j'allais dire qu'il est trop chaud. Non mais déjà la version française quasiment personne passait. Les versions américaines ils ont dit vas-y on va rajouter un tapis roulant qui te projette à 100 km/h. J'avoue que il l'a passé du coup. Non. Comment ça se fait qu'il est sur la prochaine épreuve? Parce que en gros t'es chronométré pendant l'épreuve. Ah oui donc. T'es chronométré en fait c'est les genre les 12 premiers qui font l'épreuve la plus rapidement qui sont qualifiés. Ok donc du coup tu perds du temps à monter quoi. Ok je vois. Mais ça pareil c'est impossible dans le toboggan. Comment tu fais? Faut sauter au bout du toboggan, c'est impossible. Faut qu'il tienne, faut qu'il tienne. J'ai cru qu'il était pas lui. Mec, ça va être super dur, hein. Ouais, en termes de montage, ils abusent des fois. Ah ouais, bah là, c'est trop, là. C'est trop. Ouais, c'est trop, qu'est-ce qu'ils font? Mais en plus, ça doit être super chiant, en fait. Oh là là, c'est crassou. Ça me dégoûte. D'un épisode, il y avait du nacho cheese, du fromage nachos, là. J'ai vu cet épisode. Ça va, c'est pas si horrible que ça, non? Non, bah lui, il s'en est bien sorti. T'en as qui font mal et genre, vraiment, ils se font sonner. Ouais, ok, je vois. Hop, 3040. En vrai, c'est clean. C'est clean, tu penses? C'est clean, hein, 3040, c'est clean. Ok, on a vu le premier candidat. Je propose de passer au second. Elle a l'air chiante, j'aime pas sa voix. Voilà, c'est dit. C'est de la discrimination orale, mais c'est mort pour moi. Bah, elle est encore plus lente que. Ouais, là, c'est vrai, elle commence mal, hein. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer pour elle. Ouais, je vais laisser la monter. Ils ont commencé à lui balancer le poil. Elle a de la passion dans les yeux déjà. Waouh. Wouah, c'est trop. Ah, mais y'a des cordes et tout tendues, t'as vu ou pas? J'avais pas vu. Ok, mais je pense qu'il faut pas courir, c'est un piège de courir. Faut sauter par contre. Waouh, waouh, waouh. Faut pas courir, mais faut sauter quoi. Mais je pense que c'est plus simple de tomber dans l'eau direct, non? Mais oui, mais moi je me suis toujours dit pourquoi il y a des gens ils font pas direct, ils plongent et tout. Elle a abandonné? Bah, je sais pas, ils se sont dit c'est chiant. Pourquoi tu me fais rire? Derrick, le shadow boxer.
C'est le seul gars, il boxe comme ça. Mais par contre, c'est les petits coups, il se contient. Il est timide. Le boxeur timide. C'est Derrick. Je l'aime bien, je l'aime bien. Attends, il a dit quoi là? Il a dit une dinguerie de ouf là. Il a 28 ans et en gros il a 28 ans et ouais. Il dit qu'à son club de boxe, il boxe des gamins de 13 ans parce qu'ils ont l'apparence de grands gars. Okay. Du coup, il boxe des gamins de 13 ans dans son club de gym. Attention. Je le sens grave bien, il a l'équilibre d'un boxeur, ça se voit. Il est en train... Oui, il est même pas peint. Le câble, c'est vraiment très... Ouais, il y a les cordes, il y a tout. Parce que quand t'as de la peinture sur le visage, là, c'est là où tu vois pas et... Mais surtout, tu dois te protéger. C'est vraiment des bâtards. Oh, mais non. Ça, il va gérer. Je suis sûr, en tant que boxeur... Non, franchement, non, le boxeur timide, il est chaud, là. Il tombe clean, hein. Ouais, il est retombé droit. Elle, je suis sûr que quelqu'un a envie de mettre des patates au bout d'un moment, genre. Elle est sur le côté, elle est sous toi et tout. Attends, il a ramené des piments là. Wesh, il chique ça comme ça. Bah wesh. Il a pas compris, je crois. Il court d'une façon si déterminée. Ok, c'est quoi, c'est une compile là des gens de tout ce qui passe? C'est ça, c'est les gens inutiles en gros. Ils font une compile souvent parce que tu sais, c'est pas intéressant ce qu'ils font. Ok. Wouah! Ouais, mais la douche le soir! Ah ouais, elle doit être profonde la douche. I'm not sure seeing them clearly, isn't it? Oh, oh, okay. Oh, oh! Danaël? Comment tu te stabilises là-dessus? Blind and falling for you. Mais mec, elle est trop forte! Let's go! Johnny, she can smell. Oh! C'est la première fois sur la version US que je vois quelqu'un passer. C'est ça. Vrai? Ouais. Mec, elle a géré de ouf! Oh là 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 là! Well. Mais là, elle perd du temps de ouf là! Ouais, ouais. Allez, one shot au toboggan. Ouais. Ah, là, au moins tu touches. Waouh, par contre, elle a dû se faire bien malin. C'est trop bien un peu les côtes en place, hein. Ah, bah, clairement. Mec, je suis choqué. Là, c'est le scorpion, morte, mais. Ouais! C'est le scorpion vrille, hein. Mais mec, c'est plus le scorpion. Genre là, c'est. Normalement, c'est... t'as les deux jambes droites, là, c'est. Elle est... Le scorpion torsadé. Ah, bah là. À la face, elle aurait fait qu'elle soit couchée par terre. Par contre, elle a fait 6 minutes, genre. Ouais. C'est long, un peu. En fait, le premier était trop chaud. Man, this is bringing back so many memories. I'm gonna go get one. You in? Hanson's gone for a crepe. Mais il vise volontairement son cul, là. Qu'est-ce qu'il lui jette? Ouais, même le. Mec, c'est tellement violent. C'est qui lui? On sait même pas qui c'est, les gars. Balls, the fella. Oui, il a l'air tout grand. Tout grand, tout mince. Absolutely not. Oui. Il est empoté. Je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Il y a un truc. Jérémy, elle, j'aime bien. Il y a un truc de sympathie envers lui. Moi, le t-shirt vert avec le sous-t-shirt vert et tout, là, il a l'air cool. Là. Il y a un petit flow, hein. À la Sammy Scooby-Doo. Oui, oui, ça m'a fait penser, oui, ça m'a fait penser à un flow de Sammy. Sammy! Sammy! Tu l'as refait une dernière fois, je crois. T'as pas bien compris. Okay. Sammy. Imagine, je suis Scooby-Doo. Sammy! Non? Ok. Par contre, Samy, il gère, hein. Oh là, il se fait bolo, Samy. Oh! Il a 2 minutes? Oh, c'est le boss! 2,51, Samy! Mec, il est trop chaud! C'est le record, hein. Allez, Samy, là, avec ses grandes jambes. Samy, le boss. On a les qualifiés. Il y a le boxeur. Il y a le gars, le danseur du début. Oui, le danseur. Du coup, il y a Samy. Et après, ouais. Vas-y. Donc là, c'est les 12 qualifiés. T'es pour qui, toi? Moi, Samy. Samy? Oh, Samy, bah. Samy est le danseur, je pense. Donc toi, tu prends Samy? Ouais, je prends Samy. Samy, et en backup, tu prends le danseur? Ouais. Et moi, je prends le boxeur timide. Et en backup, je prends Pepperman. Ok. Pepperman, vas-y. Je sens bien. Si un de tes poulains gagne, je dois faire 50 pompes. Si un de mes poulains gagne, tu dois faire 50 pompes. Ouais. T'es chaud? Ouais, vas-y, je vas-y, poignée de main officielle. Ils sont tous dessus? Ils sont tous dessus en même temps. Et en gros, faut que, bah, du coup, ils s'accrochent au. Enfin, aux lianes rouges. Ouais. On est à la plateforme rouge. Et après, depuis la plateforme rouge, ils s'accrochent à la liane jaune. Ouais, c'est ouais. Ça, ok. Et c'est quoi? C'est les premiers arrivés qui ont réussi? C'est, ouais, c'est genre les 6 premiers, je crois. Ah, ouais, donc là, il y a moyen qu'un de nos poulains se fasse éliminer. Moi, je mise tout sur Samy. Oh, Pepperman, il s'en direct. Oh, j'ai cru qu'il allait pousser. Oh, Pepperman, il prend la place? Ils peuvent y aller à plusieurs. Vas-y, mais ils sont idiots d'aller à 3. Oh, le boxeur, baby monster. Oh, y'a Samy derrière. Yes, yes, lâche yes, pas, yes. Pas. Il a rien dans les bras, c'est parfait. Il a rien dans les bras. Wesh, Samy. Let's go. Samy. Hey, Samy, lâche pas. Wesh, Samy. Non, vas-y, c'est un crack, Samy. Let's go, il lui marche dessus. Oh. Il a loupé le coach, par contre. Hein. Samy, il est parti pour un tour, là. C'est vrai? Ouais. Second time. Oh non, 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 non. Ah, c'est bon, c'est les deux, c'est les deux. Yes, y'avait deux poulains, ils sont ensemble. Deux poulains ensemble, let's go, ils cèdent. Mais quoi? Let's go. Non, mais c'est du gros n'importe quoi. Il est super solide, Samy. Wesh, quoi? Mais quoi? Non, c'est pas validé, c'est pas validé. Oh non, j'ai dégoûté. Il va se rater, il va se rater. Non, non, j'ai dégoûté. Let's go, mon gars. Ils sont où, mes poulains? Ils sont plus là. Samy, il dort dans l'eau. Ah, c'est Pepperman. C'est Pepperman. Ah oui, c'est Pepperman. Ils sont qualifiés, les miens, ou pas? On les voit plus. Ils sont morts dans l'eau, quoi. Je sais pas, Samy, il a disparu. Allez, Pepperman, mes deux gars vont se qualifier en premier. Oh, yeah. Il s'est pris un coup dans la nuque, il est sonné. C'est terminé pour lui. Oh, Samy, c'est Samy. Let's go, Samy. Me déçois pas. Mais Samy, wesh. C'est lui là. Ouais, danseur, il est fébrile. Oui. Tiens. Non, le coup, il va dire. Tiens, mon cerveau. Allez. Let's go.
Yes. Ah, mais le danseur il a affaibli. Non, il faut que Samy il vieille. Ok, let's go, c'est ton troisième essai. Attends, bah attends, mais Samy il a fait trois essais, mon Pepperman il a fait un seul. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Yeah, let's go. Samy. Ah, il a ses deux poulains, wesh. Oh, let's go. Allez, Pepperman. C'est bon, il est chaud. Regarde, regarde, il fait la moule. Là, il lâche pas, je te jure qu'il lâche pas. Non, il est accroché comme jamais. Oh, il a géré en vrai, hein. Let's go, Pepperman. Mec, on a nos deux poulains qualifiés, let's go. Attends. Oh, ils font ça dans un sac à patates. Non, mais c'est des fous. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mec, non. Samy, bah, il est trop grand. Et ça Samy, passer. Il est trop grand. Là, avec le sac à patates, ça va être compliqué. Oh, il est frais. Let's go, Samy. Allez, hop. Non, pas au premier saut. C'est ton gars, hein. Quoi? Pas dit allez hop, c'est ton gars. C'est mon gars? C'est pas mon gars, ça. Ah non, c'est le fils. Oh, mais j'ai eu peur, j'allais dire quoi? C'est mon gars? J'ai vu du violet, je pensais que c'était ton gars. Non. Samy! Je sens pas, Pepperman. Oh! Oh, quoi? Bah, c'est validé, ça? C'est validé. Mais ouais. Mais il est pas tombé? Mais non, mais c'est de la triche. Landshark. Let's go! Samy, toujours là, hein. Non, Pepperman, je sens pas. Yes. Pepperman, j'ai pris parce qu'il était drôle, mais vas-y, je mise tout sur le boxeur. Oui, c'est vraiment méchant. T'abandonnes un de tes poulains. J'abandonne pas, je suis toujours avec lui, mais vas-y, de loin. Ok. Non, bah, allez, Chobaï. Il a pris cher ton poulain. Ouais, ouais, Pepperman, il a pris tarif. Un petit mot pour le conforter. Force honneur. Oh yes, les poulains sont qualifiés. Il te reste ses deux poulains. Ouais. Oh la violence, j'espère qu'il s'en remettra au prochain round. Donc là, Samy qualifié. Samy qualifié. Ça va le faire, ça va le faire 50 pommes, c'est ok, hein. Oh merde, j'avais oublié. Let's go, Gardiflex. C'est vraiment un crack, hein. Non, mais vas-y, mais Samy, là, c'est son épreuve. Il est grand et tout, c'est. Justement, il est gros, il a des grandes jambes, faut qu'il lève tellement plus les jambes. Il est avantagé. Prochain truc, il passera pas. Mais non. Let's go, mais il est trop solide, mon danseur. Oh, il est en galère. Oh, ouais. Il était à bout de souffle, j'ai vu, il a fait une grosse inspiration. Regarde le temps qu'il a mis pour sauter. Tiens le coup. Ouais, c'est haut, il est trop chaud le danseur. Ça joue entre nos deux poulains. Yeah, let's go. Ah, vas-y, c'est quoi tes poulains, wesh? Let's go. Faudrait que le boxeur timide laisse passer Pepperman sur celle-là et il batte la fille. Ouais, c'est pas bête. Et donc là, faut que ça dure au moins deux tours, quoi. Ton boxeur, il a l'imbago, quoi. Oh non, il a bout de force. Ça, c'est la position quand on peut plus. Oh, baby boxer! Ah, let's go! Accroche-toi! Ça monte à chaque fois là, il passera pas le prochain. En tant que coach, là, tu penses que quoi? Eh, je lui ai donné la consigne, il l'applique à la lettre. Il fait durer! C'est dur, mais il fait durer! Oh non, il a oublié de sauter. Oh non, c'est un désastre! Ses forces sont quittées, il a pas sauté! J'ai pris deux clowns! Oui, mais il est bien drôle ton boxeur! Pepperman va peut-être passer, mais la finale Pepperman, je donne pas cher de sa peau. Attends, il y a que trois qualifiés? Monsieur le coach, je crois que vos calculs sont pas bons là. Ok, je te propose un deal. Je te file le danseur. Juste par contre, si jamais c'est moi qui perds, je fais que 25 pompes. Si c'est toi qui perds, t'en fais quand même 50. Ok, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Okay. Prends le boxeur. Ok, donc là, comment reprend le danseur? Moi j'ai Samy. Ouah, c'est trop. J'ai pris les pires. 50 pompes, c'est trop en fait. Je viens de tilter là. Ah oui, pour moi c'est trop. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Oh, c'est ton poulain qui commence. Allez, mon gars. Là, c'est juste par rapport au chronomètre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. La violence. Déjà, il y a combien de temps là? Ouais, une minute trente pour sortir de l'eau. Bah non, il a rien fait encore. Ah, je l'adore. Vas-y, c'est un cadeau empoisonné. Oh. Ça, c'est un move de danseur, je reconnais. Vas-y, pourquoi dès qu'ils sont dans mon équipe, ils sont nuls? Il y a combien là? 3 minutes? Oh, 4 minutes! 5 minutes! Mais il prend son temps dans l'eau! Ouais, il a mis 3 minutes de là à remonter! Elle est pas bonne sa strat. Ah, ça marche ça? Il est archi chaud. Mais comment il fait pour remonter? Ça marche, je crois. Je l'adore. Vas-y, il a combien là? 8 minutes? Oh, 1 minute 30! Wouah, allez! J'ai fait tout de suite les pompes, j'ai foutu! Donne-lui une phrase d'entraînement! Change de sport. Y'a rien, là je peux rien en faire. Dis-lui un truc gentil en tant que coach à son poulain. Mais c'est maintenant. Bande noire, musique épique. L'important c'est d'essayer. Je finis son proverbe. Mais l'essentiel c'est de gagner. Là il y a juste à regarder le temps. Peut-être qu'on sait pas, hein, ça se trouve Samy il va s'en mêler les pieds. Moi je sais. Mais j'ai la tête pliée. Ah si c'est trop long. C'est archi long. Oh, je crois qu'il se fait. Le pire, c'est qu'il faut qu'il fasse ça sur le deuxième. S'il tombe sur le deuxième, il doit recommencer au premier. C'est vrai? Ouais. Oh, il est pas bien, il est pas bien. Il a bout de force, il va pas tenir. Makes a break for it though. Yeah. Okay, there we go. Il a quoi à faire encore là? Ben, tout le parcours. Mais il a vraiment fait ses premiers obstacles, hein. Il s'est évanoui. Il fait quoi? Hey, les gars, je peux pas regarder cette émission, moi elle me crève de rire, genre. Il tombe là, il est foutu. Il va jamais se relever à la fin du toboggan. S'il se foire, c'est terminé, c'est sûr. Après, s'il vise mal. Ouais, c'est sûr. S'il vise mal, c'est terminé.
Let's go. Mec, il fait un sans faute là. Oh, oh, il est en mode conquérant. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Quoi? Mais quoi? Let's go. Waouh. Il est trop chaud. Il a tout one shot. Je pense qu'il loupait ne serait-ce qu'un truc. Déjà, ça a rajouté 6 minutes à son temps, ouais. Et il aura abandonné. T'as quoi à lui dire là? Franchement, je suis fier de toi. T'as tout donné. Tu t'es battu jusqu'au bout. C'était mal barré. Malgré mes insultes, malgré ma déception, tu as su garder la tête haute et continuer et finir cette épreuve. Et je suis fier de toi. Oh, Samy! Samy! Regarde ce smile! Oh là là, mais Samy, regarde sa démarche! Mais j'ai l'histoire de lui! Regarde-le. Oh là là! Il a le sourire! Non, mais 13 minutes 30, le danseur, c'est mort. C'est bon, c'est dans la poche. Let's go, let's go! Regarde, il fait des petits pas! Mais oh, il est tellement à l'aise! Il est à l'aise, il danse! Oh, il y va en galopant. Minute 4. Minute 4, ça va. Ok, Samy. Il a déjà straté, ça se voit. Si one shot ça, c'est bon. Moi, j'y ai cru. Ouais, moi aussi, j'allais dire, il est trop chaud. Moi, j'y ai cru. C'était une belle tentative. Ses grands bras, ses grands gestes. It was a good one. Mais c'est une vanne, c'est pas possible. Jure la vie de ta mère. Jure la vie de ta mère, elle vient d'abandonner là. Regardez le visage du seum. C'est pas possible. Il a dit le Jackson Show est fini. En vrai, ce que tu peux retenir de ton joueur, c'est qu'il a fait le show pendant une minute. C'était court, mais c'était super intense. Non. Et là, tu vois, il t'a fait vibrer, il dansait. Par contre, en vrai de vrai, why? T'es resté calme en tant que coach, moi je l'aurais insulté. Et bah. Ton poulain, il est serein et après il quitte. Il quitte comme ça, après minuit, tout sourire. Il faisait le malin encore. Mais pourquoi il a abandonné? Je comprends pas. Si elle bat ton poulain, on fait 30 pompes chacun. Ok, ok, ok. En vrai, y'a moyen qu'elle gagne. Elles sont plus malines. Une 40. Okay. Faut qu'elle tombe genre deux fois au truc du début en fait. Mais je pense qu'elle va être maline, elle va one shot, elle va aller. Je pense sincèrement qu'elle va gagner. Ça marche ça? À genoux, ça va pas tenir. Hein. Les mecs, ils ont des abdos en béton et. Ça tient à genoux? Non, mais là, ça tient pas là. 2 minutes, elle va être à 5 minutes là? 5, 37. Ok, 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 ok. Mon gars est bien là. J'y crois pas si je t'ai donné le seul mec qui se qualifie en faisant le pire temps. Bon, c'est mort là. Elle a one shot? Ouais. Faut qu'elle tombe là ou qu'elle choque le toboggan. Elle a l'air sereine, elle a une âme de tueuse. Là, faut qu'elle loupe le toboggan deux fois, c'est impossible. Je suis anéanti. Attends, il y a encore un espoir hein, peut-être. Hein. Si elle choque le toboggan, c'est ok, tu penses? Ouais. Y'a moyen, non? Elle est pas bête. Enfin, pour choquer le toboggan, faut vraiment abuser. Oh yes! J'ai écrit que l'illusion d'optique! Oh, let's go! Let's go, let's go! 9 minutes 36. Ok, elle a 9 minutes 30. Putain, elle a encore 4 minutes. Vas-y, il a merdé, mon gars. C'est au début, tu vois. Elle a 4 minutes de marge. Ouais, il a tout one shot, mais le début, il a choque. Par contre, si elle rate le toboggan, c'est mort pour elle. Là, ah, là, si elle rate le toboggan, c'est foutu. Surtout qu'elle est fatiguée de ouf. Platform, this is it. Yes! Oh, wow, tu es almost... Ok, il reste 3 minutes. C'est mort, je pense. Hein. Faut qu'elle tombe. Si elle tombe, c'est gagné. Est-ce qu'on va faire 30 pompes chacun? C'est le moment de vérité. Tombe, 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 tombe. Ok. 12:48. Il reste une minute tout pile presque. Une tentative. 40 secondes. Une tentative. Si elle loupe, si elle réussit, elle gagne. Si elle loupe, elle perd. C'est 13:38 le record de ton gars. Et j'en connais un qui fait 50 pompes. Comment ça, ça compte? Bah oui, t'en fais 30 tous les deux. Ton poulet, il l'a perdu. Mais toi aussi? Oui. Non, non, 30 tous les deux, c'est si elle le gagnait. Eh ben, elle a gagné. Oui, c'est vrai. Bah oui, je suis con. Donc là, on fait 30 pompes tous les deux? Ouais. Non, mais c'est triché. Wesh, Samy devait gagner. En vrai, c'est quoi cette merde là? Je suis dépité. Je prends le meilleur poulain et c'est le pire au final. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais été aussi déçu d'un poulain en finale. Genre c'est incroyable, mec. Hein. Bon, les gars, on va aller faire nos pompes. C'est la fin là. On fait nos 30 pompes chacun. Si, je vais demander à quelqu'un de nous filmer, je pense. Hein. Bienvenue dans l'espace comptabilité. Aussi appelé l'espace pompe. Parce qu'on se pompe souvent entre gars. Bon, on va se mettre comme ça. Oh, en plus, je suis plus obligé de me cacher, c'est bon. La vidéo transformation physique, elle est sortie. Let's go! Qu'est-ce que tu veux? Ouais, 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 ouais. Je peux faire croquer, ça fait longtemps. Allez, vas-y, fais croquer là un Quand peu. Ça fait croquer. Allez, un petit six-pack. Non, fais croquer, Oh, les gars, vous êtes bizarres. Non, fais croquer, ça fait super longtemps. Vous êtes bizarre. Non, mais j'ai pas vu, ça fait un mois que j'ai pas vu l'amélioration. Okay. Oh là là! Ça fait ou pas? Mais oui, mais oui. Attends, en 4K, ça c'est encore plus beau. Ouais. Wow, ok, let's go, on y va. Hey, je le tiens bien. Wesh. Mec, tout au début, quand j'ai fait les exercices avec Yann, tu peux pas en faire 10. J'étais 20 pompes, Max. Et j'étais au bout de ma vision. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Il en reste combien? 29 là. Ok, la dernière, vas-y. Nice. Bah, mec. T'as pas un truc qui craque, toi, quand si tu... On s'en est bien sorti parce que de là, ils ont porté pour 50 pompes, je rappelle. Hein. Ouais, ah oh bah. j'ai serré la main, mais j'ai prié fort pour que la main gagne. Bon, allez, on retourne au studio. Bon. Merci à tous d'avoir suivi ce petit épisode, c'était très cool. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne d'Actuan, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que t'as quelque chose à dire, Thomas? Ben non, c'est très cool. En vrai, c'est trop bien. Ça faisait un moment en plus qu'on faisait faire avec la 2. Oui, oui. Sur ce, il est maintenant temps pour nous d'y aller. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toi, tu sors quand tes vidéos? Moi, c'est samedi à 13h. Ok, putain, bah nice.
Nice. Si vous avez commencé par regarder cette vidéo, si vous voulez, il y a un épisode 2 qui est sorti sur la chaîne de Thomas. Je vous le mets juste ici, vous pouvez aller le voir. Il sera encore plus drôle que cet épisode, j'espère. Sur ce, il est maintenant temps pour nous d'y aller. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bye. Les boys. Ah oui, non, c'est. Ouais, c'est bye bye maintenant. Oh, t'as refait lancer l'intro, viens, je lance l'intro. Tu veux qu'on fasse ? Ouais. Bye, bye les boys. Wouh ! J'ai bien fait de changer, hein.